Bienvenue sur la chaîne Clairvoyance. Bonjour à tous. Alors, on peut s'abonner, on peut aimer et on peut partager. Aujourd'hui, on fait un tirage avec l'améthyste Love pour les triangulaires. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle pour les triangulaires. Alors, ça commence fort. Hein. On a de la guérison. Alors, il y a une guérison du partenaire là, qui est seul. Et je pense sincèrement là que... Ah oui, bah, y a de la rivalité. Oui, bah, tu m'étonnes. Il y a une... C'est hallucinant quand même. Hein. Je sors la carte. Alors, il y a un reflet, je suis désolée. Mais là, je sors la carte de la triangulaire. Il y a une guérison, il y a un équilibre, un calme qui se fait là sur cette rivalité. Il y a quelque chose qui vous satisfait là-dedans. Hein. Il y a plus de sagesse. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez un raisonnement qui change là. Il y a quelque chose qui change chez vous. Mais du fait de cette guérison. Alors, ça fait beaucoup ça. Alors, il y a un secret. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous faites... cette liaison discrète, là, j'ai l'impression qu'elle est en voie de disparition. Alors, est-ce que c'est parce que... cette relation est mise au grand jour ou est-ce que c'est vous? Bon, la réponse est non. Moi, j'ai l'impression que vous sortez de cette triangulaire. Alors, quand je dis sortir de la triangulaire, ça veut dire deux choses. Ou la relation est mise au grand jour et là, du coup, il n'y a plus de secret. Ou alors, vous vous êtes lassé de ça et vous en êtes guéri. Et vous quittez la personne. Il y a un déménagement. Il y a un déménagement, il y a une ouverture là. Les choses bougent. Hein. Pour les triangulaires, les choses bougent. Donc, il est fort probable là que la relation, finalement, soit découverte. Hein. Il y a un choix qui est fait hein, du partenaire, enfin de l'autre là qui est avec deux personnes. Il y a un choix de fait. Hein. Ça vous permet de balayer tous les doutes. Vous avez pris du recul hein, de cette relation, hein, sur cette relation. Vous avez pris du recul et vous avez très bien fait. Alors là. Donc, on est sur une protection ce qu'on peut appeler la relation instable. C'est un coup oui, un coup non, il y a de l'instabilité là-dedans. Bon, là maintenant, ça y est, c'est tout. Hein. On fait le grand jour là-dessus. Hein. Il y a de la magie dans votre relation là. Moi, je vois de la magie dans cette relation. Derrière, il y a une réconciliation. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Là, ça avance hein, dans cette relation. Moi, je pense que cette relation, non seulement elle va être mise au grand jour, mais qu'en plus, il y a de l'officialisation pour l'automne. Hein. Vous avez des nouvelles, là. Hein. Il y a des nouvelles. Là, ça bouge grave hein, pour vous, là. Là, il y a un changement. Hein. C'est alors, c'est peut-être du fait du confinement, vous me direz. Peut-être que là, la personne se rend compte de... Là, moi, j'ai un délai de 3 mois. Il y a un délai de 3 mois qui sort. Moi, je pense que pour la rentrée, c'est fait, cette histoire. Hein. Là, je vois vraiment un...
Il y a un virage qui est pris là. Alors, c'est où vous quittez cette personne, comme on l'a vu en début de jeu. Vous quittez cette personne et là, en quittant la personne, ben, vous donnez l'autorisation de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors, cette relation est mise au grand jour et dans ces cas-là, là, on officialise. Hein. Bon, en tout cas, moi, là, dans l'instabilité, cette instabilité, elle a été causée par le manque de communication. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme toujours. En tout cas, les messages sont bien reçus. Hein. Et on sort le succès derrière. Donc, cette relation, qu'elle soit terminée là ou pas, si elle est terminée, tant mieux, parce que derrière, il y a une rencontre qui se fait. Et elle est couronnée de succès. Ou alors, c'est cette situation-là qui est mise au grand jour, qui est officialisée, et là, on est droit sur le succès. Hein. Mais vous seul le savez. Vous seul savez si vous êtes sur le point de le quitter ou pas. Si vous êtes sur le point de le quitter, c'est une très bonne chose. Par contre, si vous voulez officialiser, enfin, sortir au grand jour, c'est le cas. Hein. Dans les deux cas, de toute façon, la décision est prise et le choix est vraiment bien fait. Ouais. Et en plus, vous faites tomber les masques. C'est-à-dire que tout ce qui a pu être caché pendant cette relation, vous le découvrez. Donc... on va en redemander une, parce que là, je sens bien qu'il y en a une autre qui veut sortir. Et on va... Ah bah, il n'y en a pas qu'une, hein. Bon, on prend la première. Il y a une élévation. Il y a une ascension. C'est... Là, pour ceux qui se quittent cette triangulaire, c'est pour moi la meilleure chose que vous ayez à faire. Et de toute façon, vous le savez, il est temps de la quitter. Et pour ceux... qui officialisent et qui sortent de l'ombre, ben, c'est pareil. Ça va être une relation qui va vraiment grandir et qui va vous amener beaucoup, beaucoup de bonheur. Donc, l'un dans l'autre, l'un comme l'autre, pour moi, vous faites les bons choix. Les choix sont mûrement réfléchis, mais vous faites les bons choix. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Ça bouge. Et ça bouge pour le meilleur, de toute façon. Donc voilà pour ce message. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.